Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à l'antenne A, votre chaîne de la référence. Droit à la parole aujourd'hui va venir chez vous à partir de l'hôtel Cabanas. Nous sommes donc ici à Sun City, en Afrique du Sud, où se déroule depuis déjà plus d'un mois le dialogue intercongolais. Vous qui suivez notre chaîne tous les jours, vous êtes au courant de l'actualité, vous comprenez ce qui se passe ici et nous faisons tout notre effort pour que vous compreniez aussi les enjeux. Et c'est dans le cadre de comprendre les enjeux que nous recevons régulièrement des grandes personnalités. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Pierre Payipayi, que beaucoup d'entre vous connaissent, mais que j'aurai le plaisir de présenter pour l'ensemble des Sénégalais, surtout pour les jeunes qui grandissent dans notre pays. Encore une fois, je salue mon invité. Bonjour, M. Payipayi. Bonjour, mon cher Willy. Avant que je ne puisse vous poser des questions, permettez-moi quand même de visiter votre CV qui est très très long. J'ai fait un effort de le raccourcir. Vous êtes professeur assistant déjà en 1969 à Lovanium, à la faculté de sciences économiques. Donc vous avez un diplôme en sciences économiques. Après, vous devenez directeur de cabinet, ce qu'on dit aujourd'hui, de Monseigneur Tshibangu, qui était à l'époque recteur de l'université. Et puis, 7 ans après, vous entrez dans le domaine privé. Vous êtes directeur général adjoint, puis directeur général d'une grande firme pharmaceutique, Medifar, passé à la COFASA et l'UNASA. Vous travaillez donc pendant toutes ces années dans le secteur privé. Et en 1980, vous êtes appelé à des fonctions d'État. Vous êtes nommé ministre de l'économie. Et il faudra souligner que vous avez fait un record de longévité, 5 ans à ce ministère, ce qui est rare et qui était très rare à l'époque. Et puis vous passez comme ministre au portefeuille, et puis vous devenez PDG de la Gécamines commerciale, et puis gouverneur de la Banque du Zaïre à l'époque, Banque du Congo, ministre des Finances. Il faut souligner qu'à l'époque, en tant que gouverneur de la banque, et par rapport à la place qu'occupe notre pays en Afrique, vous avez donc siégé au comité intérimaire du Fonds monétaire international, où vous avez été président pendant près de 8 ans. Vous occupez donc le poste de ministre des Finances, vous réoccupez ce poste en 1996, jusqu'à 1996, votre dernier poste en février, et c'est la guerre qui commence. Vous êtes donc parmi les tout derniers ministres des Finances du maréchal Mobutu, on peut parler comme ça. Et puis vous êtes parmi aussi les fondateurs de l'UDI, l'Union des démocrates indépendants, parti qu'on appelait le parti des experts, nous allons en parler tout à l'heure. Vous occupez là-bas du Kivu. Aujourd'hui, vous êtes au dialogue intercongolais comme délégué de la DSF, parti de la démocratie chrétienne fédérale, fédéraliste je crois, c'est cela. Et vous occupez donc un poste de délégué à ces assises qui sont des assises extrêmement importantes. Voilà, c'est avec vous que nous allons passer ces quelques minutes pour que vous puissiez vous expliquer auprès de nos téléspectateurs. Ma première question sera celle-ci. Comment vous qui étiez connu comme un des piliers de l'UDI, vous vous retrouvez aujourd'hui à la DSF? Monsieur Willy, permets-moi de te tutoyer. Aucun problème. Je te remercie pour cette présentation un peu flatteuse à mon endroit. L'UDI a été créée, comme vous le savez, en 90, au lendemain de la libéralisation de la vie politique dans notre pays. J'en fus membre, fondateur. Et l'évolution des choses et de la situation du pays a fait que, d'abord, en 96, je suis parti du gouvernement avant la guerre. La guerre a commencé en octobre, septembre-octobre. Je suis parti du gouvernement fin février, c'est-à-dire 8 mois avant la guerre. Et vous savez qu'avec la guerre, plusieurs personnes ont fait leur choix. Les choix qui n'étaient pas toujours compatibles. Et certains d'entre nous ont fait des choix qui ne permettaient pas à l'UDI de subsister en tant que parti homogène. Raison pour laquelle aujourd'hui l'UDI, en tout cas ancienne formule, n'existant plus, il fallait faire un nouveau choix. Je me retrouve à la démocratie chrétienne fédéraliste aujourd'hui et je suis fier d'y être. Vous ne serez pas après une carrière aussi brillante et aussi longue, on peut le dire quand même, plus de 33 ans dans la vie active, vous n'êtes pas fatigué? Oui, en fait, si nous prenons le statut de la Banque centrale, je devrais être retraité. Je suis susceptible d'être retraité. D'être retraité. Parce qu'après 30 ans,
normalement, à la banque, après 30 ans de services actifs, on peut vous mettre, pas obligatoirement, mais on peut vous mettre à la retraite. Mais assez curieusement, et je pense que vous le, tu le vois et les spectateurs le voient, je n'ai pas tellement vieilli, oui, ni physiquement, ni mentalement. Oui, mais c'est vrai, on dit que vous n'avez pas vieilli parce que vous êtes un homme excessivement riche. Parmi non, ceux qui ont pris pas vrai. La moitié de la fortune ça, c'était, du Congo. Ça, c'est un mythe. Vous savez pourquoi? J'ai eu le tort. Peut-être, si on peut considérer ça tort. Moi, je ne le considère pas comme tort. J'ai eu le tort d'investir ce que je pouvais avoir à 99% au pays. Et ce sont des investissements visibles. Parfois un peu trop visibles. Et les gens disent, mais non, s'il fait des investissements de ce genre, et pas toujours des investissements productifs, des investissements sociaux, à caractère social, des investissements éducatifs. Les gens disent, non, ça ne peut être qu'un homme hyper riche. C'est pas vrai. Quand on veut aider la population, on ne doit pas être nécessairement riche. Quand j'ai fait une école à Goma, est-ce qu'il faut être riche pour faire une école, vous croyez? Quand j'ai fait un hôpital, j'ai contribué à la construction de l'hôpital de Butembo, avec Monseigneur Catalico. J'ai apporté ma contribution. Quand j'installe une télévision à Bukavu, distribuée gratuitement, est-ce qu'il faut être riche? On peut dire que c'est une œuvre philanthropique pour vous donner bonne conscience, parce que l'essentiel de la fortune est ailleurs. Non, et tout ça. Non, précisément. Ce n'est pas pour me donner bonne conscience, c'est pour me donner bonne conscience vis-à-vis de ce peuple-là, grâce auquel je suis. Je suis né à Bukavu, mon père est du Nord, ma mère est du Sud. J'estime que je dois à ce peuple quelque chose. C'est grâce à ce peuple que j'ai été éduqué, c'est grâce à ce peuple que j'ai été formé, c'est grâce à ce peuple que je suis devenu ce que je deviens. J'estime que parce que j'ai étudié, par exemple, j'ai le droit de faire étudier d'autres. Parce que j'ai été soigné, j'ai le droit de faire soigner d'autres. Alors si on appelle ça être riche, moi, je l'appelle autrement. Vous avez occupé donc des postes importants dans le pays et le pays a été très mal géré. C'est passé aujourd'hui dans l'histoire mondiale. Le Congo aujourd'hui, le Zaïre d'hier était votre Zaïre. Vous aviez la responsabilité. Quel est le regard que vous posez aujourd'hui, mettons 6 ans après votre départ, de votre dernière fonction, sur cette étape de notre pays? Vous sentez-vous coupable de quelque chose? Coupable, peut-être, parce que je faisais partie d'une équipe. Donc je n'ai pas le droit de me désolidariser de l'action gouvernementale. Comme dit Chevènement, un ministre, ça la boucle ou ça démissionne. Puisque j'ai fait partie d'une équipe gouvernementale, j'en suis donc solidairement lié aux échecs, comme au succès, parce qu'il n'y a pas eu que d'échecs, n'exagérons pas. Aujourd'hui, moi, j'ai quitté en 91 la Banque centrale, j'ai quitté le ministère des Finances en 96. Faites la différence entre 96 et 2002 par rapport à 98. Il y a quand même une différence. C'est vrai qu'on ne va pas dans la polémique. Non. Mais j'aimerais que vous revenions dans l'époque où vous étiez responsable. Dites-nous pour la postérité, quelles sont les erreurs fondamentales ont été commises à l'époque du régime du président Mobutu, qui peuvent revenir aujourd'hui, il faut éviter cela. Mais comme vous avez la connaissance de l'étape, vous avez la maîtrise des dossiers, qu'est-ce qui a été très mal? Qu'est-ce qui n'a pas été bien? Qu'est-ce qui a été l'erreur fondamentale pour le dérèglement de notre vie économique, surtout et financière? En ce qui me concerne, mon point de vue est que je vais me mettre surtout au niveau économique et social. Et nous n'avons pas fait suffisamment attention aux infrastructures de base. C'est une erreur que je dois reconnaître. Nous n'avons pas fait suffisamment attention au social, c'est-à-dire l'enseignement et la santé. Or, comme vous le savez, l'enseignement et la santé, c'est la base du développement des peuples. Parce que la richesse des peuples dépend des cerveaux et non pas du sous-sol. Nous n'avons pas fait attention à ça et ça, je dois le reconnaître.
Nous allons continuer cette intervention que vous faites à Antenne A. Je rappelle que nous recevons M. Pierre Paipai Ouassiagassigué. Je crois que j'ai bien prononcé ce nom. Nous avons tous connu ce nom dans notre tendre jeunesse. Et aujourd'hui, M. Paipai est avec nous ici au Dialogue Intercongolais. Il répond à nos questions sur droit à la parole. M. Paipai, aujourd'hui, encore une fois, je reviens à cette étape avant qu'on passe à l'actualité qui est très abondante. Vous avez connu M. le maréchal Mobutu. On dit que c'était un homme bien, mais son entourage qu'il avait effectivement abîmé. Vous êtes cet entourage. Vous savez, on dit ça souvent de beaucoup de présidents. Moi, j'ai entendu dire ça des présidents Kabila, par exemple. On dit que lui est bien, mais c'est l'entourage. C'est facile à dire. Mais non, moi, je crois qu'il faut prendre les choses globalement. D'abord, l'entourage, on le choisit. Il ne s'impose pas à vous. Donc, on est tous responsables. Non, n'essayons pas de jeter la pierre aux uns. Et... Non, non, non. Tout le monde est responsable et co-responsable du mal qui a été fait et du bien parce qu'il y en a eu. Qui a été fait. Si aujourd'hui il était décidé ici au Dialogue Intercongolais que l'on fasse un tribunal qui jugerait tous les anciens responsables de ce qu'ils ont fait pendant depuis l'indépendance, vous accepterez d'aller répondre des éventuelles accusations qu'on porterait sur vous? Oui, mais ces accusations ont été faites à la conférence nationale. Nous avons fait 2 ans d'accusations. Nous avons fait 2 ans. Nous avons été interrogés à la conférence nationale. Ouais. Moi, je suis passé à la commission des biens mal acquis 5 fois. Et j'ai répondu à toutes ces questions. Et je crois que, tel que je te connais, tu as lu le rapport. Oui. De la commission des biens mal acquis. Je ne sais pas si mon nom revient souvent. Hein. Enfin, non, quelquefois quand même. Non, quelquefois. Quelquefois, par exemple, bon, on dit que vous aviez 25 numéros Télécel, par exemple. Ah oui. Hein, que c'était le bottin, c'était la moitié des abonnés, c'était vous qui payiez. Non, non, non. En tant que gouverneur de la banque, d'abord, j'avais, en tant que gouverneur, 12 lignes dépendant de la haute direction. 12 lignes. Et puisque je n'étais que gouverneur, j'avais des activités, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais une dizaine de lignes qui, elles, dépendaient du secteur privé, qui dépendait de moi. Donc, ça, ce n'est pas... Non seulement ce n'est pas une bonne référence, elle est même à ma faveur, parce que, comme vous le savez, je suis un... Mon hobby, c'est les télécommunications. Mon hobby, c'est les télécommunications. Je suis fier de vous dire que j'ai implanté le premier fax à Butembo, le premier téléphone international. Les gens qui étaient à Butembo pouvaient téléphoner aux États-Unis. C'est moi qui ai implanté ça. Donc il est normal que j'ai 12 lignes à moi. Il est normal. Non, 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 ça c'est un faux procès. Alors faux procès. Vous partez à l'exil, vous partez à l'extérieur. Voilà, quelques années après, le pays est embrasé. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement précaire. Nous avons 3 administrations, nous avons une rébellion, nous avons un pouvoir, nous avons une discussion actuellement sur l'avenir de notre pays. Nous allons aborder progressivement ces questions. Mais déjà, vous êtes aujourd'hui dans la commission économie et finances, je crois. Est-ce que vous avez pu jouer de votre influence par rapport à l'expérience pour dire à tous ceux qui sont dans la commission qu'il ne faut pas commettre telle ou telle erreur? Pensez-vous que la commission va répondre positivement aux attentes de notre peuple? Je n'ai pas le pouvoir ni le droit de dévoiler à ce stade les propositions de la commission, les propositions que la commission va faire en plénière. Mais je suis, comme tu l'as remarqué, tous les jours présents, à toutes les séances. Je crois avoir apporté ma modeste contribution aux différentes questions clés qui ont été posées jusqu'à présent. Et certaines de mes propositions ont été retenues. C'est tout ce que je peux te dire aujourd'hui, parce que nous aurons à y revenir, peut-être, si vous avez le temps. Nous aurons à y revenir quand nous terminerons les travaux, quand les résolutions vont être rendues officiellement publiques, quand elles vont être adoptées en plénière. Là, je pourrais vous en dire davantage. Mais à ce stade de la discrétion et des rigueurs, et je pourrais être sanctionné par, par, vos pères. Par mes pères. Mais non, mais ça fait... Pour avoir divulgué. Bon, vous n'avez quand même pas, vous n'avez pas proposé qu'on rentre au communisme, par exemple.
Non, aucun pays, je crois. Donc, aujourd'hui. Oui. Oui. Non. Vous savez que je me considère comme libéral, comme un des fondateurs du libéralisme dans mon pays, le Congo. Donc, je ne peux pas me départir de ce point de vue. Mais un libéralisme régulé par l'État. Oui. Alors... Et au cours de mes fonctions, j'ai réussi à faire prendre des décisions difficiles dans ce cadre-là, mais bénéfiques pour l'économie et pour la population. Aujourd'hui, donc, nous revenons, nous acceptons vos réserves. Mmh. Quant au contenu de tout ce qui sera révélé finalement dans quelques jours. De toute façon. Oui. De toute façon, nous saurons ça. Mais je voudrais quand même qu'on revienne à la guerre elle-même. Aujourd'hui, vous êtes, je ne dis pas accusé, mais pointé tout au moins du doigt comme le parrain des Maïmaï. Il dit que voilà, le Maïmaï sont soulevés dans le Kivu. C'est entre autres financement, M. Pai Pai. Je voudrais savoir quelle est la véracité de cette déclaration ou ces petites accusations. Est-ce que, quelle est votre position maintenant par rapport au Maïmaï d'abord, et nous irons vers les autres composantes après. J'ai entendu souvent cette déclaration me présentant comme le bailleur de fonds des Maïmaï. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est ceci. Ce qui est vrai est que tous les Kivusiens dignes de ce nom. Et je peux vous avancer un pourcentage. 99% des Kivusiens appuient moralement, matériellement, je dirais même spirituellement, les résistants. On peut les appeler Maïmaï, on peut les appeler résistants, on peut les appeler combattants, mais 99% de la population est avec eux. Il reste alors, un peu de pourcentage. Alors, il est normal que je sois parmi les 99. Vous comprenez bien que... Mais il reste très peu de pourcentage pour les RCD, là. Les statistiques le prouvent. Mais les RCD, quand même, constitue des Kivusiens aussi. Oui. Et les Kivusiens, ils sont contre le Maïmaï, ceux qui sont dans les RCD. Oui. Si les Kivus comptent 100 personnes... Il y en a un qui est au RCD, oui, 99 dans la résistance. Absolument, absolument, et je l'affirme haut et fort. Si le Kivu compte 100, il y a un au RCD et on a 99 dans Mais on ne parvient pas à vous situer. Comment? Moi, je viens de vous dire que je suis dans le 99. Je suis d'accord avec vous. Ça veut dire qu'en principe, qui se ressemble, s'assemble. Si vous soutenez même physiquement ou moralement ou spirituellement, matériellement, le Maïmaï, quelque part, vous devrez être en principe avec le gouvernement. Parce que le gouvernement aussi est en sympathie. Peut-être pas prononcé, mais en sympathie avec le Maïmaï. Mais vous n'êtes pas. Je suis désolé. Oui. Là, vous oubliez une histoire récente. L'histoire récente. La résistance au Kivu a commencé quand? À quelle date? En 96. Déjà, avec l'arrivée de l'AFDEL. Exactement. Donc, il y avait déjà à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas être résistant à être avec l'AFDEL. Voilà. Mais en même temps, c'était un gouvernement AFDEL. Je suis désolé. D'accord avec vous. Mais quand vous arrivez à la tribune de la plénière du dialogue intercongolais, oui. Vous prononcez quand même un discours dans lequel vous faites une passe en or au Banyamulenge. Non. Je n'ai pas passé une passe en or. Banyamulenge, d'abord, je n'ai pas prononcé le terme Banyamulenge. Vous avez dit Tutsi. J'ai dit Tutsi et Hutu congolais. J'ai dit qu'ils existent. C'est en deux lignes. Hein. Oui, mais c'est deux lignes. Deux lignes avec le poids de votre force et oui, de votre... C'est deux lignes, ce que vous représentez. Deux lignes qui disent qu'il existe au Congo des Congolais Hutu et Tutsi parlant les Kinyarwanda. Mais ça, c'est une vérité. Il faut être malhonnête pour ne pas la reconnaître. C'est une vérité. Vous connaissez peut-être un peu les Kivu. Si vous allez à Rutshuru, le Rutshuru est habité par qui? Par des Congolais, mais qui parle Kinyarwanda? Alors, pourquoi ne pas dire Banyamulenge? Le Banyamulenge, parce que historiquement et sociologiquement, ce terme n'a jamais existé. Regardez dans tous les livres des grands sociologues.
belges qui ont écrit sur la plaine de la Rosisie. Ce terme n'existe pas. Alors, ce terme est relativement récent. Nous touchons là au cœur d'un des problèmes les plus importants, du moins l'une des causes de cette guerre. Il y a un groupe ethnique qui revendique son appartenance à la nation congolaise. Entre autres, s'attachant à la crise interne, ce groupe a fait une guerre avec l'appui du Rwanda. Vous êtes un notable, je peux me permettre de le dire, du Kivu. Vous avez une vision, en tout cas neutre, sur la question. Oui, et nationaliste. Vous aimez le Congo, je le suppose, oui. Et vous savez que personne au Congo n'accepterait une occupation. Absolument. Mais en même temps, comment doit-on régler? Parce qu'il ne faudrait pas que la solution à la question Tutsi au Congo soit une question qui crée des problèmes au pays, en même temps qui crée l'injustice. Exact. Quelle est votre approche à cette question-là? À cette question-là, mon approche est de ne pas couper les dialogues. On ne peut pas résoudre les problèmes de ces gens sans dialoguer. Il faut dialoguer. Et la preuve, nous sommes avec eux à Sun City. Et c'est pour dialoguer. Et je suis pour ce dialogue. Et je dialogue avec eux. Nous parlons avec eux. Je ne les cache pas. Pour trouver une solution en dehors des armes. Je déteste les armes. Oui, mais ça serait laquelle, cette solution-là? Ça serait laquelle? Parce que nous sommes à pratiquement une semaine de la fin du dialogue. Cette question n'est peut-être pas encore bien abordée, mais ça serait laquelle? Mais non, vous savez très bien que aujourd'hui, ce n'est pas à cause de cette question-là seulement. Cette question-là qui a guerre au Congo, sinon il n'y aurait pas 5 mouvements de libération. Ouais. Il n'y aurait pas 5 mouvements de... Donc cette guerre a d'autres causes que les problèmes de nationalité. Et les problèmes de nationalité pour nous devient de plus en plus secondaire, c'est-à-dire facile à identifier et donc un problème auquel nous pourrons facilement trouver des solutions sans armes. Sans armes, j'insiste. Vous êtes donc un pacifiste. Je suis un pacifiste. Oui. Monsieur Paipai, évidemment, nous passons cette question de nationalité. Je comprends que vous proposez un dialogue. Je suppose que les intelligences réunies ici vont trouver quelque chose et que nous allons éviter des frustrations. Pourquoi pas aussi des infiltrations parce qu'on en parle. Mais regardons l'avenir du pays. Non. Vous venez de dire quelque chose. Des infiltrations, c'est-à-dire? Ça voudrait dire que vous savez que parmi les thèses qui sont défendues ici, oui. On dit qu'il y a des Rwandais. Les Tutsi rwandais, qui oui. Seraient, par le fait de la connexion avec les RCD, revendiquant aussi la nationalité congolaise. Bon, moi, je ne pose pas le problème dans ces termes-là. Moi, je pose le problème, ce problème-là dans les termes militaires. Oui. Il est reconnu officiellement aujourd'hui par le Congo, par le Rwanda, par l'ONU. Il existe une armée rwandaise au Congo. Oui. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un vrai problème. Et aujourd'hui, cet après-midi, c'est la question qui est débattue à la commission défense et sécurité. Mmh. Et je pense et j'espère qu'ils vont y trouver une solution. Bon, le problème, le vrai, c'est les militaires. Oui. Donc, il faudrait que toutes les troupes puissent se retirer. Absolument. Du pays. Absolument. Mais regardez quand même l'avenir de notre pays, parce que nous devons tracer un avenir, ne fût-ce qu'au niveau des rêves. Parce que notre population, vous connaissez sa situation, vous la connaissez mieux que moi d'ailleurs. Non, moi il y a 6 ans que je suis parti. Il y a 6 ans que j'ai quitté le Kivu natal. En tout cas, je vous informe que ce n'est pas une bonne situation. La précarité avec la guerre et toutes les violations, les difficultés de travailler normalement, ça je ne veux pas redire tout ça ici. Mais il faut quand même qu'on prenne des décisions fondamentales. Vous avez, dans un scénario que je souhaite réaliste, la décision de conseiller l'ensemble des délégués aujourd'hui pour qu'on prenne des grandes décisions. Quelles sont les décisions par lesquelles on devra commencer? Les choses qu'il faut vraiment ne pas oublier de vue. Au niveau du dialogue intercongolais? Au niveau du dialogue intercongolais. Non. Si nous arrivons à rétablir l'intégrité du territoire, l'unité nationale étant considérée comme acquise, la population l'a prouvé. Tout le peuple congolais veut rester ensemble. Ça, ils l'ont prouvé, ils l'ont dit. Et excusez-moi, mais reconnaissez quand même que le mobutisme y a joué pour beaucoup.
Mobutu a joué pour beaucoup. Non, non, je suis désolé. Reconnaissons au moins cela à lui, qu'il a forgé l'unité nationale. Donc, si nous recouvrons l'intégrité, l'unité nationale étant acquise, les troupes étrangères étant parties, nous pouvons commencer à rebâtir ce pays. Et le Congo a cet avantage, cet atout majeur, c'est que là, le Congo a une économie qui répond aux impulsions. Grâce à sa diversité, non seulement culturelle, mais économique. Avec toutes ses potentialités, si vous posez tel geste dans le domaine économique aujourd'hui, vous avez les résultats dans un délai à court terme. Et c'est important, et c'est un atout que nous devons saisir. Bon, ça, ce n'est pas une confidence que j'ai fait, ça nous le soulignons dans notre commission économique et financière. Okay. Alors, saisissons tous ces atouts pour rebâtir le Congo, unifié, le Congo qui a retrouvé son intégrité. Nous avons fait, en privé, entre certains experts, avec certains experts nationaux et internationaux, quelques évaluations. Si nous faisons la paix aujourd'hui, si nous avons l'union, le gouvernement d'union nationale aujourd'hui, nous sommes au mois de mars, le Congo est capable, d'ici la fin de l'année, début de l'année 2003, par ses ressources internes, mobiliser en moyenne 1,5 milliard de dollars. Par ses ressources intérieures. Quand nous aurons mobilisé ces ressources intérieures, soyez sûrs, et je parle de ce que je sais, la communauté internationale va nous accompagner. Donc nous continuons cette interview avec M. Pierre Paye-Paye. Vous disiez tout à l'heure que si nous faisons la paix aujourd'hui et si nous travaillons normalement dans moins d'une année, donc avant la fin de l'année, par quelle magie on pourra faire ça? Non, précisément, je ne suis pas autorisé à ce stade de vous dire, ce n'est pas une magie. Ouais. Ce n'est pas une magie. Considérez seulement ce que nous allons épargner du fait de la fin de la guerre. Considérez seulement ce que nous allons gagner du fait de la réunification du pays, c'est-à-dire la réunification des ressources. Vous faites un petit calcul, vous êtes déjà au-delà de 500 millions. Oui, oui. Mais d'autres ressources existent, d'autres moyens de mobilisation existent. Et le chiffre de 1,5 milliard d'ici l'année prochaine n'est pas exagéré, pas du tout exagéré. Donc il faudra, à ceux qui nous suivent, faire pression pour que cette paix revienne le plus rapidement possible, en tout cas. Moi, en tout cas, je t'assure que non seulement je travaille dans la commission pour cela, mais je ne dors pas avant de prier. Avant de prier Dieu pour cela. Mais c'est pour cela que je suis dans la démocratie chrétienne. Mais M. Paye-Paye est un grand prieur, ça c'est quand même assez nouveau ça. Non, ce n'est pas nouveau, pourquoi? Pourquoi? Plutôt un grand argentier, oui, mais... Ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas incompatible d'être argentier et chrétien. Et chrétien. Et chrétien. Non, non, je suis chrétien et pratiquant. Alors ici à Saint-City, il y a... Je le suis peut-être davantage depuis l'exil, hein. Ça je te le conseille. La solitude et l'éloignement. La solitude vous rapproche de Dieu. Oui. Et M. Paye-Paye, aujourd'hui dans votre région natale, nous avons les RCD et les Maï-Maï. Et la plupart de vos investissements sont bloqués là-bas. Nous aurions quand même pensé que vous aurez négocié un retour de ce côté-là pour pouvoir ne fût-ce que mettre en sécurité. C'est une question importante. Une question importante. D'autant plus que j'avais été sollicité pour cela. J'avais été sollicité pour regagner Goma. Et faire partie du RCD. En 98. J'ai regardé deux choses. Les biens personnels d'abord et les biens de la population ensuite. À quoi servirait de protéger mes biens en ayant le peuple contre moi? À quoi cela me servirait? Ce peuple que j'adore, je vous dis, je ne rêve pas quand je vous dis que j'adore ce peuple du Kivu. C'est grâce à lui que j'existe.
Et alors, puisque c'est grâce à lui que j'existe, pourquoi les trahirais-je? Pourquoi trahirais-je ses intérêts? J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit, si les biens peuvent être sacrifiés, mais pas la population, et encore moins le cordon ombilical qui me lie à lui. Ici à Sainte-City, il y a un bruit qui court que M. Paipai le régnerait quand même, sans le dire fermement, sur la primature de la transition. Est-ce que cette ambition légitime, somme toute, je le reconnais, vous a effleuré ou bien je suis en train d'halluciner? Je l'ai lu dans la presse, comme vous. Je l'ai lu dans la presse. J'ai un souci majeur. En venant ici, je vais vous dire maintenant, en ce qui me concerne personnellement, oui. J'ai un souci majeur, c'est le retour au pays. Franchement, je ne pouvais pas m'imaginer, il y a 10 ans, que je pouvais être exilé de ma région et de mon pays pendant plus de 5 ans. Et je ne savais pas que c'était aussi pénible. Je ne savais pas que c'était aussi pénible. Et puisque c'est pénible, je souhaite franchement rentrer au pays. Mais personne ne vous l'a interdit. Ça fait déjà des années que beaucoup de vos collègues sont déjà là-bas. Je ne veux pas citer le professeur Katanga, qui est quand même un de vos amis, qui est à Kinshasa, qui circule. Il n'a jamais été inquiété. Pourquoi vous n'êtes pas venu? Moi, je ne sais pas quel démon est derrière moi, parce que j'aurais voulu le faire aussi. Mais il y a 6 mois, j'ai constaté que mon frère, parce qu'il s'appelle Paipai, a été mis en prison pendant 45 jours. Il en est sorti malade. Il est malade jusqu'aujourd'hui. Et parce qu'il portait mon nom, je me dis donc que je n'ai pas encore la sécurité suffisante pour rentrer. Oui, mais ces choses-là, il faut peut-être discuter, négocier. Mais nous sommes ici au lieu des négociations les plus élevées que nous ayons connues dans notre pays. On espère que vous allez revenir dans le pays et pourquoi pas donner encore des beaux jours à votre expérience pour que le pays puisse aller de l'avant. Mais je vous dirais que l'exemple que je viens de donner, c'est un exemple qui était donné juste pour vous faire comprendre pourquoi je n'étais pas assuré de rentrer, que ma sécurité était garantie. Mais cela ne signifie pas que j'ai gardé rancune à qui que ce soit. Demain, je suis prêt à travailler avec qui de bonne volonté pour rebâtir ce pays. Pas nécessairement au gouvernement. Pas nécessairement au gouvernement. Moi, ça me déplaît de croire qu'on ne peut aider ce pays qu'en étant ministre, qu'en étant premier ministre. C'est pas vrai. On peut aider le pays dans tous les domaines où l'on peut évoluer positivement avec l'aide de la population. Monsieur Paipai, vous avez... L'aide de la population. Monsieur Paipai, vous avez quand même eu... votre vie est comme un rêve réalisé. Votre enfance au Kivu, vos études brillantes, votre carrière politique, votre arrêt dans le monde privé. Vous êtes ce que l'on peut dire un homme qui a réalisé ses rêves. Y a-t-il encore des rêves qui restent à réaliser? Oui, j'ai encore un rêve. Comme disait Luther, I have a dream. I have a dream. Ce rêve, c'est de voir... C'est de nous voir, nous, encore vivants, laisser à la génération qui vient après nous, qui va gérer ce pays, une image positive. Il faut leur laisser un pays capable d'être géré comme ici où nous nous trouvons. L'exemple de l'Afrique du Sud, qui a connu l'apartheid le plus ignoble de l'histoire, l'Afrique du Sud a réussi à résoudre, ou il est en train de résoudre positivement ce problème. Notre rêve à nous, c'est de nous entendre, d'abord nous, notre génération, et déléguer à la génération qui doit gérer ce pays demain, si pas avec nous déjà aujourd'hui, leur laisser un pays gérable. Parce que les aînés avaient fini par comprendre leurs erreurs, et ils ont décidé de les corriger. Quand nous laisserons ce pays-là à nos jeunes frères, que vous êtes dont vous faites partie, nous serons fiers d'être vos conseillers dans l'ombre. Merci beaucoup en tout cas, M. Pierre Paipai. Merci de nous avoir accordé cette interview. Je voudrais que vous puissiez vous adresser avant de clôturer à la population de Kinshasa qui vous suit sur Antenne A, ceux-là qui vous ont reconnu peut-être avec joie, d'autres disant, tiens,
il est encore là, celui-là. D'autres disant, tiens, où est-ce qu'il est? Je voudrais que vous vous adressez directement à eux pour prendre un message là-bas. J'allais le dire en anglais parce que je suis en Afrique du Sud, malheureusement. La population de Kinshasa ne va pas me comprendre. En anglais, on dit, j'allais dire en anglais, c'est si je vais traduire. Oui. I don't know why, but I love Kinshasa. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore Kinshasa. Kin la belle. Kin la belle. Elle sera belle. Elle nous la rendra belle. Promesse d'un homme. Un homme d'expérience, mesdames et messieurs, je voudrais, par ce mot aimable, nous vous aimons tous à Kinshasa, là-bas, que vous nous avez suivis, vous dire au revoir et vous souhaiter de rester sur l'antenne en suivant les belles émissions que nous préparons. Nous restons ici donc à Sun City jusqu'à la fin du dialogue. Nous espérons la prochaine fois vous retrouver dans cette émission Droit à la parole. Nous avons été heureux et en ayant bénéficié d'un appui technique de Dédé Samba et de Mamixbo derrière la caméra. Merci et à la prochaine.